Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, non, on va pas faire de van tour, on va pas vous présenter un camion. Non, aujourd'hui, nous sommes partis passer quelques jours au frais, Pour l'instant, il fait 30 degrés. Hein. Mais on a passé le col de Capre, on s'en va direction Trévoux et ensuite on va prendre la destination finale, c'est le tunnel de Parpaillon. Depuis le temps que j'en entends parler, depuis le temps que je voulais le faire. Donc voilà, on va là-bas. On monte du côté où c'est le plus facile, hein, puisque on n'a pas envie de faire peur à Val. Donc là, on est parti avec des copains. Et normalement, il y a Philippe de Philpurt qui devrait nous rejoindre ou ce soir ou demain, je sais pas trop. Donc voilà, donc là, je promène ma chien dans la forêt de pins. Ouh, j'arrive. Hein. Franchement, c'est magnifique. Voilà, on est là. Voilà, forcément, il y a un avion qui passe. Mais bon, c'est pas très gênant. Ça reste quand même bien joli. Une belle forêt de pins. Elle gros. Il s'éclate. Bon allez, fini le blabla. On va rejoindre nos potes. Et on va reprendre la route parce que il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais comme il y a beaucoup de virages, c'est un peu comme en Ardèche. Hein. Pour faire 50 km, tu mets 1h30. Donc il doit nous rester, je crois, encore au moins 2 heures de route avant d'arriver à Parpaillon. Voilà, bon allez, je vous reprends tout à l'heure. J'espère que je vais arriver à faire... Pardon, je suis encore un peu malade. Alors on espère qu'on va arriver à faire des belles photos et que je vais pouvoir faire voler mon nouveau drone. Je vous ferai voir. Allez, à tout à l'heure. Petite chapelle là sur la butte, c'est trop joli. Et là-bas, nous avons le mont, comment ça s'appelle, on a dit? Dévoluy. Le Dévoluy. Dévoluy. Allez. Les agriculteurs. Bah, c'est une fête, terre en fête. Un joli tracteur, hein. Avec des jolies montagnes à l'arrière, trop beau. Ah, mon téléphone qui sonne. Prévoyez un retard de 15 minutes. Vous êtes toujours sur l'itinéraire le plus rapide. Oh, Bernadette, elle va se taire là. Je te jure, ces GPS ont toujours la bouche ouverte. Je voulais vous faire voir le joli lac de Serpenson qui occasionne donc que tous ces bouchons. Ouais, un truc à touristes là. Hein. Ouf, mais c'est beau. Ça, il y a un petit îlot là au milieu. Sacré lac, hein, avec les grandes montagnes. T'es jamais venu là, si? Tu connais? Un souvenir, D'être venu. D'être déjà venu par ici, non? Lac de Serpenson, j'en ai entendu parler, mais j'y étais jamais venu. Non, nous on était allé au lac de Sainte-Croix. Ah, le lac de Sainte-Croix, oui. Voilà, avec les enfants quand ils étaient petits. Mais c'est vrai que celui-ci de lac, c'est marrant, il fait super chaud, il faisait même 38 degrés. Mais ici on dirait qu'il y a du vent parce qu'il y a des gens qui font de la voile. Donc c'est pas qu'on dirait, il y a du vent. Vas-y, gratte le nez en gros plomb, va. Je te jure. Il y a des aires de jeu pour baigneurs là, des aires gonflables. Il y a un petit château là, tout mignon. Tu crois que c'est un vrai château à visiter ou c'est un château qui appartient à un particulier? C'est pas trop.
ours mignon. Bon allez, ça y est, on a trouvé notre petit spot du soir. Bon, on n'est pas encore à Parpaillon. Hein. On est où? On est dans un endroit super chouette. À côté d'un torrent. Comme c'est beau! Au bord de l'eau! Le pont de la Valette. De la Valette. Ah, on est à 1660 mètres. Ouais, quand même, hein. Ça rigole pas, là, ma garçon. Bon. Je pensais pas que c'était si haut, hein. Mais bon, c'est beau, hein. Waouh. Je pense qu'on va être bien ce soir, là. Je pense. Peut-être que si on a du courage, on pourra aller faire une petite balade, là. Parce que là, ça monte encore, hein. Bon. Moi, je crois pas que je vais aller là. Hein. Mais j'ai vu passer des gens. Sac à dos. Avec des bâtons. Et c'est parti. Non, mais Edouard, t'es pas assez courageux pour monter là. C'est pas possible. Eh ouais. Quand même, hein. Elle est beaucoup en France, hein. Voilà, on est garé là. Alors, est-ce que demain on ira à Parpaillon? Au tunnel? Je sais pas. Mais ça, mais... Il y a l'eau, les grands espaces. Tout ce qu'il lui faut. Bon, allez. Je crois que l'on a mérité un petit apéro. Une petite bière. Allez, je vous laisse. Peut-être que demain, ou tout à l'heure, je sais pas, je ferai voler un coup de drone. C'est pas trop, il y a quand même un peu du vent. Je vais voir, je sais pas encore. Là, je vais aller boire ma petite bière. Et on verra après. Allez, à tout à l'heure, les amis. Et évidemment, le gros, il est dans son élément, là, hein. Bon, on dirait qu'il y a une courageuse qui va essayer de goûter l'eau. Non, la courageuse, c'est pas Val. Hein. C'est Nanou. Attention. Ah, Sam, lui. Tu veux laisser tes lunettes de soleil? Ouais, ouais. Allez, tu te secoues un coup, ouais. Ça. Allez, Nanou, on y croit. Ouais, il faut que tu ailles tout droit. Tout droit pour... Ouais, le trou, il est là. Il est juste devant toi, le trou. Je vais pas t'entendre. On croirait que c'est une whistine, mais non. Ça fait mal. Ça a raffermi les chairs. Regarde Sam, il est heureux comme un chien dans l'eau. Bon, ben voilà, retour au camion. Mais ça n'a pas été bien haut, hein. On voit la marque, hein. Franchement.
petite joueuse, petite joueuse. Je ne vais pas montrer mes fesses à tes followers. Ah bah c'est juste pour faire voir jusqu'où t'as été quoi. Hein. C'est tout hein. Voilà. Ah oui j'irais bien mais pff, franchement. Elle est malade, non, elle est froide. Ouais. Alors on va vous faire voir un truc. Si quelqu'un peut nous dire c'est quoi ce phénomène. Est-ce que c'est l'altitude? Voilà, alors, le paquet de chips, il est tout gonflé, on dirait un ballon. Super gonflé, quoi. Je dirais, tu sais, les ballons de la Vogue, là. Ouais. Là, l'hélium. Et là, nous, c'est pareil. Ces chips, ce sont pareils. Ouais, ouais, voilà. Alors. Mais bon, ça ne s'envole pas, il n'y a pas d'hélium. Hein. C'est quoi le phénomène? Et là, nous, pareil, gonflé. Bon, un plus gros paquet. On va pas les ouvrir tout de suite, quand même. Hein. Ouais. Allez. Je sais pas. Est-ce que c'est l'altitude qui fait ça? Si quelqu'un peut nous rendre moins bêtes, ça serait sympa. Bon, j'en étais où, merci. Toi. Alors, aujourd'hui, malheureusement, nous ne prendrons pas la route du tunnel de Parpaillon. Car comme c'est encore à presque 1000 mètres d'altitude, déjà à 1660 là où on était, j'étais pas trop bien. Je ne sais pas si mes poumons ont fait le même effet que les paquets de chips, mais moi j'ai passé une très mauvaise nuit. Alors nous voilà obligés de redescendre. Adieu Parpaillon. C'est un peu beau tous ces massifs. Hein. La montagne est belle. Impressionnante mais belle, hein. Faut dire ce qui est, hein. Là-bas. Magnifique. Ouais, c'est un très beau pays. Alors chouchou, on va où? En fait, sous les sous-bois, il fait plus frais, hein, quand c'est la canicule qui fait plus de 30 degrés dehors. Là, 30, hein. Ça a baissé un peu hier, c'était... Ouh, ça tourne, attention. 38 degrés. Et là, sous les arbres, il y a 29. Voilà. Comme quoi, faut pas couper tous les arbres. Voilà, ouais. N'est-ce pas, monsieur? Ah oui, il faut garder les arbres. Voilà, on va pas acheter des parasols, ça marche pas. Ah là là, je vous assure, hein, c'est pas facile de se faire comprendre des fois. Hein. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est... un Châtillon en Diois. Sam, viens ici. Ouais, on est juste garé à côté d'un gars qui a des lapins. Donc, pas très facile. Hein. Ça, la seule chose qui vraiment qui l'attire, c'est les lapins. Bref, on est là. Il se trouve un petit coin à l'ombre. Il y a la rivière juste à côté. Donc, effectivement. Ça apporte de la fraîcheur. Le chien il peut aller se baigner, nous avec d'ailleurs. Voilà, on va terminer le week-end comme ça, gentiment. Il y a peut-être Philippe, Phil Purt, qui descend lui aussi du Parpaillon. Il est allé hier et dormait au Parpaillon. Peut-être qu'il va venir nous voir, donc voilà, on va attendre, on verra bien. Sinon on repartira ce soir ou demain, on ne sait pas encore. Voilà, on est bien. Je vais vous faire voir un peu les lieux. Vous verrez. C'est pas un camping, hein, c'est un. Je sais même pas si c'est répertorié sur Parfortnight. C'est un champ. Impeccable. Voilà. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde parce que le matin, là, il y en a toujours qui s'en vont. Mais même le soir, hein, il n'y a pas vraiment la foule. Voilà. Sur ce. Peut-être faire voler mon drone là cette fois. Parce que l'autre coup il y avait trop de vent. Et puis j'avais pas trop envie, faut reconnaître aussi. Mais là, ça me dit un peu. Allez, on va voir ça. Essayer de faire un peu des images. Bon allez, on va faire un petit tour dans ce fameux village. On donne déjà à boire au kien, à Tchoukou, au bar à toutou. Il arrête un peu de roncher, lui, là-bas, là. C'est vraiment comme ça qu'il y a, lui, hein.
T'as un rocheux, hein. Ah. On peut pas voir tellement il en fout partout. Mais alors. Alors, en ce moment, il y a le festival Art et Vigne. C'est ça aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui ? Non, jusqu'à. Ah, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à 12. Eh ben, c'est bien. On est encore dans les temps. Allez, il est parti. Madame a mis son chapeau de paille. Oh, on va visiter le beau petit village de Châtillon-en-Diois. Alors, Châtillon-en-Diois est connu également pour ses nombreuses fontaines. Il y en a, je ne sais plus combien. Et il est connu aussi, ce village, car Omar Sy, dans le film Docteur Knock, il est venu tourner dans ce village-là, quoi. Voilà. Le petit quart d'heure, enfin, la minute culturelle. Ça n'a pas duré un quart d'heure. Encore une fontaine, oui. Alors ici c'est Viol de l'hôpital, mais en fait toutes les petites rues, en fait ça veut dire ruelle. On est censé ne pas pouvoir passer en voiture. Allez, encore. Encore une fontaine. Allez, encore une fontaine. Oh, la joie et le bonheur de Sam. Allez, encore une fontaine. Ah, voilà, encore une petite ruelle interdite aux voitures. La place des matins calmes. Comme c'est beau. J'ai une petite place, une placette, qui est également en impasse d'ailleurs. Allez, encore un viol, c'est celui de la crotte. Après le rouge des Bernards. Eh, viens, allez, recule, recule. Voilà, encore une petite fontaine. La fontaine à Dédé.
Allez, encore une fontaine. Un village pour Sam, ça. Ah, je suis tombé chez les connaisseurs. Le viol des voûtes. Alors, ils disent aussi via, qui veut dire pareil, hein, ruelle, réservée aux piétons. Allez, une dernière petite, dans le chemin du retour. On ne peut pas faire de mal. Non, mais pas moi. Ah, ouais. Je vais vous faire voir ce que... à quoi joue monsieur. Alors, attention, il va piquer une tête dans la grande rivière. Le baise. Hop là, disparu. Bonjour, je ne pas faire. Non, je ne veux pas descendre là, moi. Ah, tu vas. Je tombe, je partage un petit peu. Je suis un bradi, hein. Oui, il faut une grosse bonne femme. Un bradi, ça va. C'est pas facile. Allez, allez. Alors, tu as bien ta petite serviette? Ton drap de bain? Fais pile poil la taille de ton corps. Je n'ai pas fait ton ventre. Non, poil la taille de ton ventre plutôt. Bon, allez, pour finir ce merveilleux week-end, week-end de 4 jours, il y a Philippe et Agnès qui nous ont rejoints. On va passer la soirée ensemble et demain, nous rentrons à la maison. Yeah. Voilà, à un moment donné. Toutes les bonnes choses, hein. Toutes les bonnes choses ont eu une fin, il paraît. Voilà, on n'aura pas fait le bivouac à Parpaillan. Hein. On n'aura pas fait le bivouac à Parpaillan, non. Prochain coup. Trop haut. Non, trop haut pour moi. Pour mes petits poumons. Voilà. Bon. Allez, on va finir sur ce dernier bivouac. Toujours à Châtillon en Diwa. On n'a pas bougé. Et bien, la bonne soirée à tout le monde. La bon appétit. Et on avait rencontré Fred avec son petit Renault, son petit Renault. C'est le tour des Renault. De pompier, ambulance de pompier, je crois, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Ouais, l'ancienne ambulance. Voilà, ancienne ambulance des pompiers. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Bien dormi? Café. Café. Eh bien, c'est parti. Allez, ce matin. Ce matin. Oh, mais il y a déjà du monde dehors. Oh là là. Vous avez eu l'heure? Ouais, il est 6h15. Voyons. Ah, voyons. Ah, voyons. Bon appétit. Allez. Attends, on s'est vu à 5h. Bon app, hein. Ouais, merci. On dirait que t'es tout nu sous ta serviette, là. Moi aussi. Ah. Ouh. Il est beau, dis donc. Eh. T'as déjà vu tout en camion avec des lunettes, toi? C'est tout en quoi? Tout en camion. Tout en camion. Super. Allez, à tout de suite. Nouveau bolide sur la route.